Vêtus de toge, de la toque et d'une écharpe de remise de diplôme, ils font leur entrée. Ces 62 enfants du Centre de la protection de la petite enfance d'Abidjan-Cocody Sud reçoivent, après 2 ans ou 3 ans de formation, leur diplôme d'accès au cours préparatoire élémentaire 1, CP1. C'est vraiment content de partir au CP1. Mais qu'est-ce que tu vas faire au CP1? On va travailler. Travailler comment? On va travailler avec les chiffres. Cette cérémonie de graduation est une première du genre qu'organise la direction du CPPE Cocody Sud à l'occasion de leur traditionnelle fête de fin d'année. Ici, l'accent est mis en effet sur la démonstration de la formation reçue par les apprenants. Le préscolaire, nous enseignons, nous encadrons, c'est pas seulement venir manger, dormir, mais nous apprenons beaucoup de choses aux enfants. Vous avez vu tout à l'heure ces activités de mathématiques, de lecture, d'écriture. C'est pour tout ça que nous voulons mettre en valeur. Je suis très fier. Je suis très fier parce que j'ai vu que les enfants ont reçu une très très bonne éducation. Voilà, en tout cas les maîtres et les maîtresses, vraiment ont fait du bon boulot. En Côte d'Ivoire, les centres de protection de la petite enfance accueillent les enfants de 0 à 5 ans qui y reçoivent un encadrement de qualité des professionnels de la petite enfance.